Yo tout le monde, c'est DJ9200, j'espère que vous allez bien car moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui les potos, comme vous avez vu au titre, on se retrouve sur du Black Ops 3 pour monter la Galil en or, les potos. Et oui, monter la Galil. Donc c'est quoi la Galil? C'est une arme qui est vraiment cheatée les potos, je vais vous la montrer, c'est elle. Donc hein, une arme du marché noir que j'ai obtenue. Je l'ai obtenu il y a un bon moment, si je me trompe pas. Ouais, donc c'est une arme qui est vraiment cheatée les potos. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai débloqué tous les accessoires. Donc hop, donc la poignée ergo, etc. Là on va pas mettre un tir rapide parce que c'est vraiment cheaté. Déjà elle a une cadence de malade. Concernant donc les camouflages, je vais vous montrer. Pour les sanguinaires, ça a été très très vite. Et là, il nous reste 5 kills à faire, hein, bien évidemment. Donc, comme vous avez vu dans les dernières vidéos où je montais les armes en or, donc je vous donne un exemple. La M16, la Manoir, la Weevil. Et il y avait une autre arme, mais j'ai oublié. Bon, bref, c'est pas grave. Avant de lancer une game, les potos, si toi tu aimes ce style de vidéo quand je monte les armes en or, n'hésite pas à le dire dans le commentaire, enfin dans les commentaires, et lâche un pouce bleu si ça te plaît ce genre de vidéo. Donc là on va commencer, c'est parti, on va en MME. Donc hop. J'aimerais faire une petite pub donc pour Mister Delgado. Donc Mister Delgado, pour les personnes qui ne le connaissent pas encore, mais je sais qu'il y en a qui doivent le connaître. Donc Mister Delgado, c'est mon frère. Donc lui aussi, il a une chaîne YouTube. Les potos, s'il vous plaît, allez vous abonner à sa chaîne. Là, il a 99 abonnés. Il va atteindre les 100 abonnés bientôt. Donc comment dire ça, il a... À mon avis, il a dû lancer un défi sur sa chaîne pour les abonnés pour qu'il atteigne les 100. Ce qui fait vraiment plaisir. Ça me fait même plaisir à moi. Comme c'est mon frère. Donc c'est parti, on se concentre. Tiens, crève-toi. What le bug? D'accord. Ah, le bug. D'accord. C'est parti. Si vous m'entendez pas trop parler, c'est que je suis concentré. Oula. On va passer de l'autre côté, parce que lui avec sa Peacekeeper. Tiens. Il allait me la mettre, hein, lui. Ah d'accord. Mais attends, mais c'est quoi ce bug là quand je meurs? Wow, what the fuck. Là on arrive au milieu de game, c'est pas très bon. Hop. Y'a personne là. Tiens, crève-toi. Hop. Là, on est au quatrième kill. Il nous en reste un dernier. Où je crois qu'on a déjà fait les 5 kills. Ouais, il nous reste un dernier kill. Attends, on va se méfier. Ils m'ont fait peur. Nickel. C'est bon, on a les 5 kills. Donc là, ça nous l'affiche pas. Ah si, c'est bon. Ça nous l'affiche. Nickel. Donc là, on a bien la Galil en or. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous faire le gameplay qui est très très bizarre. Donc là, on est en positif. Hein. Donc ça va bientôt finir. Hein. Wouah, j'ai cru que ça allait être moi dans la killcam. Bon là, comme pour le voir, on a fait du 5-4. Parce que là, c'était une partie déjà commencée, hein, bien évidemment. Elle a l'air d'être cheatée, la Peacekeeper. J'aimerais trop la voir. Et voilà, regardez le style de campeur. Voilà. Donc, ce que je vais faire, les potos, je vais vous faire une petite coupure pour pas que ce soit trop long. Et on se dit à tout de suite. Allez. Donc là les potos, comme vous pouvez voir, hop,
Donc là, on a le camouflage en or et le camouflage de félicité. Ok. Donc hop, on va les quitter. Ce qu'on fait, camouflage. Attention, attention. On va voir ce que ça donne. Donc là, en rose et bim! Ah là 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 là. Elle est magnifique comme ça. Hein. Pff, oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle est vraiment stylée. Dites-moi, s'il vous plaît, les potos, dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez de la galerie comme ça en or. C'est vraiment réussi. Enfin, concernant l'or, c'est vraiment réussi sur Black Ops 3 parce que, je sais pas, sur Black Ops 2, l'or était bizarre, je sais pas. Après, c'est mon avis, hein. Donc les potos, j'ai plus rien à ajouter. La vidéo était un peu courte. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, si ce style de vidéo vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. C'est vraiment important pour que bah, pour me faire savoir que vous aimez ce style de vidéo. Et toi qui n'es pas abo et toi qui n'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne et like pour le boulot qui est récompensé derrière. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir pour le boulot, tout ce que je fais derrière. Et puis voilà. Enfin, je dis tout le boulot que je fais derrière, mais comment dire ça? Minimum le montage, je l'ai fait, allez, une demi-heure, même pas. Donc voilà. Donc toi qui es nouveau sur la chaîne, lâche un like, n'oublie pas de t'abonner, n'aie pas peur de t'abonner. Et n'oublie pas de liker, je compte sur vous. Je compte sur vous les gars. Et les filles, bien évidemment. Donc voilà. Comme ça récompensera mon travail. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Allez. Yeah, you in the danger room.